Allez, on continue exactement là où on s'était arrêté la dernière fois à l'épisode 3. C'est Holobat, salut à toi, j'espère que tu continues de kiffer. Moi personnellement, je suis complètement happé dans l'univers, dans l'ambiance que nous propose ce Nier Automata. J'espère que ça va être ton cas ou que ça l'est déjà. Et on continue tout de suite vers l'objectif principal. La dernière fois, on s'était un peu promené dans la map, hein, dans le monde ouvert, enfin semi-ouvert. Et là, on se dirige vraiment vers l'objectif, symbolisé sur la carte en bas à droite par un petit losange carré. Enfin, losange carré, oui. Un losange carré, oui, c'est connu. Mais un losange orangé avec 4 carrés à l'intérieur, c'est ça que je voulais dire surtout. Et les petits points noirs sur la map, rappelez-vous, ce sont des ennemis, tout simplement. On avait récupéré aussi un tas d'objets. On a découvert qu'il y avait des corps de joueurs qu'on pouvait découvrir au sol. Alors je sais pas du coup s'il y aura un aspect multi, mais je pense que ça va s'arrêter là quand même. On trouvera les corps des joueurs qui sont morts en fait. On peut les réanimer comme ça, récupérer leurs objets et ça leur donne de leur côté, ça leur fait récupérer toutes leurs données de leur côté. Je sais pas ce qu'ils entendent par données, est-ce que c'est leur expérience et tout? J'en sais rien. Mais on en prendra plus par la suite. Et là cet endroit est encore plus beau que les autres avec les petites cascades là. Commencer à pêcher. Ah oui, on a aussi commencé la pêche. Mais je vais pas trop vous embêter avec ça, hein, on fera ça plus tard. Disais-je avant d'avoir une prise et encore une carpe. Bon voilà, ils sont un petit peu, on dirait presque des origamis, mais c'est des poissons. Croyez-le ou non. Allez, on continue. Vraiment des coups stylés, faudrait que je comprenne un petit peu mieux les combos parce que j'essaie de varier la fréquence de mes coups avec la touche carré, triangle et rond. Alors rond ça fait rien, mais triangle et carré, et pour essayer d'avoir des combos différents, et ça marche plutôt bien, mais je comprends pas exactement ce que je fais encore, mais ça va venir. Ah, on a une petite lampe, je ne le savais pas. Est-ce que ça se voit sur la carte? Non, pas du tout. Ah, c'est sûrement notre petit robot là qui en fait. Ah! Il y a des gens. Camp de la résistance. So this is the resistance camp, huh? We should probably go talk to their leader first thing. On va pas que parler au chef, on va essayer de prendre la température du lieu, savoir un peu comment ça se passe ici. Vous aussi, vous êtes un nouvel arrivant? Pas exactement, si tu vois un petit peu ma tenue, je pense que tu remarqueras rapidement que je fais pas partie des vôtres. Plus de ça, je marche avec un bandeau sur les yeux, donc je pense qu'à partir de là, le doute n'est plus permis. Vous êtes qui? Voilà, elle commence au moins à comprendre un petit quelque chose. Oh, c'est quoi ça? Et vous êtes de nouveau Yora? Dans ce cas, vous devriez aller à la rencontre de la chef. Ok, elle sait qu'on est des androïdes. Je pense que eux, ils sont pas forcément au courant, j'en sais rien. Bon, peut-être que si. Ah, vous êtes le membre du groupe Yora. Vous pouvez aller voir le chef Anemone, elle vous attend. Attends, c'était bizarrement écrit là, du coup je l'ai lu bizarrement et ça faisait encore plus bizarre. Vous êtes un nouvel arrivant, ravi de vous rencontrer. Oui, effectivement. Que voyons-nous là? Mes chers amis, il vous faut d'abord parler à Anemone, c'est la règle. Ok, allons-y sans plus attendre. C'est quoi ça? C'est pour moi? Ah ouais, c'est pour moi. Je mets course. Hein. Bonjour Anemone. Vous êtes number two. Ah, j'ai pas besoin de lire. You know about 2B? Yes. Well, the bunker told me to expect you. My name is Anemone. I'm the leader of the android resistance that controls most of this territory. You must be the new scouts we heard about. Well, I'm sure my people will have plenty of information for you. Please feel free to ask them anything you like. D'accord. Pas mal de temps à l'armurerie en magasin de fournitures pour pouvoir y faire un tour. Et cette fille à l'entrée aussi, celle qui est affublée d'une tête de... Ah oui, la boule là.
Elle est un peu excentrique, mais elle en a dans la cervelle. Je suis certaine qu'elle peut vous être utile. Il y a trois... On a trois nouveaux objectifs, déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, cette musique, putain. Je pensais qu'il s'asseyerait à côté de nous. Tant pis. Allez, on va continuer un petit peu, sinon vous allez vraiment vous faire chier, j'ai peur. Pour ceux qui n'y sont pas... C'est pareil, dans ce genre de jeu-là, c'est soit vous êtes happé un peu comme moi dans l'univers, ça vous touche et vous vous en foutez, parce que là, il y a vraiment tout, là, il y a l'ambiance, il y a la musique et tout. En plus, ça commence à chanter. Soit vous êtes là peut-être que pour l'action et les quêtes, ce que je peux comprendre aussi. Et donc, on y va. Vous appartenez au groupe Yora, pas vrai ? J'ai appris la nouvelle. Je vends des armes, si ça vous intéresse. Quel genre d'armes ? En fait, je restaure et je répare des reliques du vieux monde. Quoique en ce moment, mes outils sont vraiment dans un sale état. Si je pouvais retaper l'appareil de réparation de cette boîte à outils, je pourrais me remettre au boulot et vendre à nouveau des armes. Ouais, donc tu nous proposes tes services, mais au final, on doit te rendre service pour que tu puisses nous proposer des choses, quoi. Ah ouais, il est bien moché. Je vous le fais pas dire. Et comme vous vous en doutez sûrement, les réparations délicates, c'est pas mon truc. On va prendre toutes les quêtes de toute façon qui seront sur notre passage. Ça veut pas dire pour autant que je vais toutes les faire, on est bien d'accord. Je vais certainement faire une paire hors caméra et vous réserver surtout l'histoire, parce que comme vous le savez, on est ici surtout sur la chaîne pour s'orienter sur le scénario. Donc c'est parti. C'est vrai, vous me sauvez la mise. On dirait que l'appareil de réparation a eu un court-circuit. Une surcharge certainement. À mon avis, 4 gadgets complexes devraient suffire à le réparer. Vous savez où je peux trouver les gadgets complexes ? Paraît qu'il y en a pendant dans la cité en ruine, mais on raconte aussi que l'endroit grouille de machines hyper agressives. Ok, va falloir se fighter un petit peu, on augmentera le niveau comme ça. Avancement de la mission. Votre mission a été mise à jour. Vous pouvez vérifier son taux d'avancement dans l'onglet menu système, d'accord. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre, genre lui. Bonjour et bienvenue. C'est toujours un plaisir de recevoir de nouveaux clients. Vous fournissez la résistance en matériel ? C'est ça. Oh merde. Du coup, faut que je fasse attention quand ça change de personnage. Vous fournissez la résistance en matériel, c'est ça ? Oh que oui. Chaque article ici est fabriqué artisanalement à partir des pièces abandonnées et le butin récupéré sur les cadavres de nos ennemis. Bien, parlons affaires. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je suis pas sûr d'avoir envie de quelque chose. Ah oui, il propose le même truc que dans nos appartements sur le vaisseau. Sachez, c'est quoi ça ? Les phéromones appréciées des animaux et permet de pouvoir les approcher. Alors c'est le truc qui sert certainement le moins dans notre quête, mais faut être sûr que je vais en prendre un au moins pour voir ce que c'est. Attends, les petites bébêtes. J'aime bien les petites bébêtes. Qui n'aime pas les petites bébêtes? Levez la main dans les commentaires. Soin léger, soin moyen. Ouais, tout ça on a déjà, c'est pas la peine. En tout cas, on sait où s'approvisionner. Vous vendez des puces de fonctionnalité? Vous pouvez vous parler de ces petites bidules qui servent à augmenter votre puissance. Je n'ai pas ça en rayon, désolé. J'adorerais vendre des puces de fonctionnalités, c'est juste que je ne dispose pas des pièces nécessaires. Par contre, si on pouvait me fournir ces pièces, je pense qu'il y aurait moyen de moyenner. Mais j'ai pas eu le temps de dire. Tiens, j'ai une idée. Et si vous me procuriez ces pièces? J'ai une patte folle, vous voyez. Je ne peux pas trop me déplacer. Vous ne pouvez pas réparer votre propre jambe? Vous faites commerce de pièces détachées, non? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Un petit peu con. On peut en parler. Si seulement, hélas, toutes nos pièces sont réservées à l'effort de guerre, il n'y a pas de bras pour moi. J'aimerais bien voir ces machines disparaître pour pouvoir danser à nouveau, mais en attendant, accepteriez-vous de m'aider? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Oh, merci mille fois. Alors il me faut un ressort cassé, un petit engrenage et un circuit cassé. Et en plus, comme on en récupère pas mal les objets depuis le début, peut-être qu'on a déjà la moitié de ce qu'il faut. Tout ou partie en tout cas. Ou on en récupère sur les ennemis qui rôdent dans la grande zone dégagée sur la gauche en sortant du camp. Target location data obtained. Marking on map. Ok, ok, mais j'ai peur que la map soit illisible si on en fait trop. Bon, on va continuer d'aller de choper la dernière... La dernière, et puis on y va. Ah, tu es du groupe Yora? Hein? Cette chose sur ma tête t'intrigue? C'est un chapeau qui bloque les ondes électromagnétiques.
Il m'aide à limiter les informations superflues présentes dans ce monde. D'accord, je plaisante. Très drôle. Qu'est-ce que tu veux du coup ? Me parler d'un souci ? Comment faire une sauvegarde ? Non, c'est pas la peine. Un point d'accès, c'est quoi ? Je fais quoi si je meurs ? Où dois-je aller maintenant ? La caméra me donne la nausée. Le jeu est trop difficile. Besoin de rien. Bah, j'ai besoin de rien. Envie de toi ? J'étais contente de te parler. Reviens me voir. Reviens me voir, d'accord ? Ok, c'était juste pour ça. Donc là, c'est pour sauvegarder. Sauvegardons. Allez, on y va tout de suite, ça fait... Putain, ça fait déjà 10 minutes, je vois même pas le temps passer, quoi. Allez, ça c'est pour moi. On va tout de suite chercher ces quelques quêtes, voir si on... Attendez. Comment on peut afficher la map ? Comme ça. On peut pas... Voilà, carte. Donc là, c'est les points qui nous intéressent, requête du marchand d'armes. Requête du marchand de fourniture, et si j'ai grandi... C'est quoi les points rouges? On sait pas. D'accord. C'est des points d'intérêt, visiblement. Peut-être les objets qu'on nous a demandé de récupérer. Mais ce que je vois, c'est que du coup, on est obligé de faire ces petites quêtes, somme toute banales, pour le moment. Donc on va se concentrer dessus, parce que visiblement, je vois pas... Attendez, c'est quoi ça? Camp de résistance, magasin... Ok. Ouais, parce que de toute façon, je vois que... On n'a pas spécialement de quête vraiment plus précise à faire pour avancer dans l'histoire, donc écoutez, pour le début, on va se contenter de ça. Le monde abrite des points d'accès astucieusement camouflés que vous pouvez utiliser pour récupérer des données topographiques, activer une zone de sauvegarde, nanana. Si un point d'accès est attaqué par un des ennemis, éliminez-les pour activer le terminal, d'accord. Le plus proche, c'est celui-ci, donc on y va. This must have been quite a city once upon a time. Too bad vegetation's claimed most of it now. Operator 60 to 2B. It is time for your regularly scheduled contact. This is 2B. Nothing to report. Good to hear. Say, how's the weather on Earth today? Good? It's fine. Does that question have anything to do with our operation? Not really. I just figured it might feel nice to have some good weather. Feeling nice has no bearing on completing missions. That is so like you, 2B. Anyway, talk to you later. Donc voilà, en tant qu'andro, malgré que ce soit tous des androïdes, ils se préoccupent quand même, tels des humains, de la pluie et du beau temps. C'est quand même intéressant à prendre en compte, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même des sentiments, peut-être, on sait pas trop. Pour l'instant, c'est assez flou, hein, tout ça. Oh, des animaux! Comment ça je peux les cibler, genre on peut quand même pas les buter. Des caribous. C'est bien ça, hein, j'espère que je me plante pas, c'est bien des caribous. Bonjour, je suis un élan. Un problème? Vous pouvez choisir le type de combat. Mais non, mais jamais de la vie. Ne pas modifier. Prudent. Voilà. Je suis désolé, j'ai vraiment pas envie d'en tuer, mais je sais pas si c'est important de le faire ou pas. J'ai pas envie, écoutez. Allez, on y va, c'est la zone qui nous intéresse. J'ai un des objets qui nous intéressait pour la mission déjà. Ah ok, donc dès qu'ils sont étourdis, c'est bien stylé. Dès qu'ils sont étourdis, je dois faire rond et ça me permet de faire un finish. C'est pas évident de trouver une légère lueur orangée dans ce tas d'herbes. Bon, ça permet de chercher vraiment un petit peu quand même. Je vais me farcir quelques robots, peut-être qu'ils en ont sur eux. Ah là-bas. La demande du marchand en fourniture, 1 sur 1.
Et visiblement, il y a encore des choses à faire puisqu'il y a encore un point sur la map. C'est marrant parce que du coup, comme à longue distance, l'herbe n'est pas forcément apparente, on voit mieux les objets. Bon, du coup, ça pique un peu les yeux, mais... On est obligé de s'y faire, hein, que voulez-vous? Là-bas. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour okay. le marchand de fournitures. Allons voir maintenant le deuxième point. Man, these chores are a real pain in the butt, huh? The Resistance is a valuable ally to Yorha. By helping them, we also help ourselves. So no, I don't think they're a pain. Yeah, yeah. On vient de débattre de l'utilité des quêtes annexes. Mais c'est vrai que... C'est pas ce qui m'intéresse moi-même personnellement. Je trouve que pour l'instant c'est pas trop mal de commencer doucement le jeu comme ça. D'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à dire est-ce que vous préférez ne jamais en faire ou en faire une de temps en temps. Là c'est le cas, là je pense que j'ai pas mal cuté malgré tout. Mais j'aimerais bien quand même en faire une ou deux, voir un peu comment se passe tout ça. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. Oui, mais c'est du gâteau. Voilà. Là-bas il y a un objet, là aussi, ok j'en vois deux. Là il en resterait combien? Deux. Là-bas. Vous voyez celui-là il était près de nous mais il faut s'éloigner pour le voir, en plus il y avait des buissons autour. Ok, lui il est bien, il vient en attaque, on y va. Les finishes sont bien sympas. Ah, le dernier doit être là. Ah non, pas ça. Ah bah le voilà. Voilà. Je pense qu'on a tout. Let's get these back to the trader. Je pense que c'est effectivement tout ce qu'on avait à faire. Effectivement, il y a tous des points d'intérêt plus ou moins droite à gauche. On va déjà les rendre ça. Comment elle trace, c'est excellent. On dirait Son Goku quoi. Coucou. Je pense que ça devrait suffire à réparer votre appareil en panne. Et voilà le travail. On dirait que les affaires vont reprendre. Ravi de l'entendre. Ça je veux bien croire. Je fabrique ces armes pour protéger mes camarades après tout. Mais parfois je me demande... Et si mes armes ne faisaient qu'accélérer la mort de mes amis? Ah, pas grave, oubliez ça. En tout cas, revenez dans un petit moment, ok? Je devrais avoir du nouveau matos pour vous. Cool. Ah, visiblement, c'est déjà le cas, non? Ah, vous revoilà! Oh, j'allais oublier, je vous dois une récompense. Je voulais vous remercier de m'avoir aidé et me remettre sur les rails, et je vous ai préparé pardon, des matériaux de mise à niveau. Voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. 5000 G, putain! Une riche. Un petit test, ça vous dit, pardon? Peut-être. Ancien suzerain stylé. Oh, punaise, et son... Moi, je veux l'arme de berserk, hein, si c'est ça. Fléau. 190, 320, c'est la plus puissante, celle-là. Mais je me dis, est-ce que ça serait stylé sur notre personnage d'avoir un... Sur 2B, d'avoir un truc pareil? On va pas acheter tout de suite. Ah, amélioration, j'ai oublié d'aller voir. Première mission faite, effectivement. Amélioration, c'est quoi du coup? On va améliorer notre... Moi j'aime bien le katana de base. Hein. Donc, voilà. Comme ça, c'est augmenté. Reviens me voir, bien sûr.
Oh, vous avez trouvé des pièces ? Génial ! Je vais pouvoir améliorer et fabriquer de nouveaux objets pour vous. Vous allez peut-être pouvoir utiliser certaines de ces pièces pour réparer votre jambe, non ? Oui, non. Bon, dites-nous vraiment ce qui se passe. C'est marrant, le mec, il s'en bat les couilles de sa jambe. En fait, c'est ma jambe gauche qui est fichue, et ma jambe gauche, c'est l'original. Ah, d'accord. J'ai réparé ma vieille carcasse des centaines de fois au cours de cette guerre. Je ne peux même plus vous dire combien de pièces j'ai remplacées. Mais cette jambe, ma jambe gauche, je n'y ai jamais touché. Alors si je la remplace, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Qu'est-ce qu'il restera de moi ? C'est vrai, c'est exactement la réflexion que j'étais en train de me faire. Mais passons, c'est mon problème. Désolé de vous embêter avec ça. Je devrais recevoir du stock prochainement, alors repassez me voir à l'occasion. On a regagné 3000G, soins moyens, câble tordu, ombre et de l'expérience. Alors du coup, on va voir tout de suite ce qu'il nous propose. Bienvenue, qu'est-ce qu'il te faut ? Soins légers, machin... Ah ouais, c'est... Ouais, c'est quoi ça, TH journal ? Affiche le journal ? TH carte, affiche la mini-carte, mais j'ai tout ça. Ah, alors oui, je crois avoir compris un truc là, c'est que quand on va mourir à chaque fois, on risque de perdre genre la carte, on risque de perdre un élément du HUD de notre interface, etc. Et du coup, ces gens-là nous permettent de les racheter finalement. Je crois que c'est ça le délire. ATH, ouais, c'est ça, ATH destination, combine, et j'ai pas d'ATH coin pêche, tiens. 5000G, non, je vais pas acheter 5000G de cartes pour la pêche. Affiche la jauge d'expérience et la quantité d'expérience reçue. Affiche le résultat d'une analyse sonore. C'est pas mal tout ça. Je vais prendre les ondes sonores, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant et utile surtout. Ouais, d'accord, ok. C'est ça, je crois, en fait. À chaque fois qu'on va mourir, si on meurt de trop, en fait, on sera pénalisé là-dessus. À bientôt. Mais oui. Allez, on va quand même avancer un petit peu dans l'histoire avant de terminer cet épisode. Ah, au fait, j'aurais besoin d'un petit service. Donc c'est bien ça, on était obligé de faire les deux petites missions avant. On me signale de plus en plus souvent que des machines dangereuses rôdent dans le désert. C'est tout à fait inhabituel. Et j'en conclus donc qu'il se prépare peut-être quelque chose. Or, il paraît que le groupe Yora, est particulièrement efficace pour ce genre de mission. Alors vous pourriez aller jeter un coup d'œil sur place, histoire d'en avoir le cœur net ? Bah oui, bien sûr. Penses-tu ? Merci, je savais que je pouvais compter sur vous. Je vais informer nos alliés dans le désert de votre venue. Et faites bien attention à vous, d'accord ? Voilà, ok, c'est pas de soucis, juste ça en récupère, ça nous. Défense contact, ok. Là-bas il y a un objet, j'ai l'impression. Voilà, donc j'espère que ça ne fera pas un épisode trop long, je vais certainement pas mal le cuter du côté des quêtes annexes. Mais comment dire, on y va quand même. Cet épisode. Ah, j'ai pas la quête. J'ai pas de quête en cours. Comment ça se fait ? Ok, il y a des trucs ici aussi. Ceci est l'entrepôt de matériel. Désolé, mais vous ne pouvez pas entrer ici. T'es sûr ? Parce que moi je vois un truc brillant au bout et ça m'intéresse. Bon. Allons sur la quête. To operator. Coordinates confirmed for location specified by resistance leader. Understood, 042. Placing marker on target. The desert heat is going to make resupply efforts difficult, 2B. Please make sure you're ready before you go. Ok, maintenant on a le point sur la carte. On s'y précipite. C'est parti.